Salut tout le monde. Donc, je dis à nous de continuer ensemble avec l'exercice Excel que nous avons fait. Donc, ou même qui t'a regardé la première vidéo, nous avons montré comment que vous êtes capable de calculer l'âge de monde sur Excel. Pas oublier la fonctionnalité appliquée à les dates diff. Maintenant, nous pouvons entrer dans l'autre bagaille. Je dis à côté, vous pouvez calculer ensemble avec ça qui est les valeurs absolues. Donc, avant que vous continuez à regarder la vidéo, pas oublier abonner avec channel là qui c'est Wonder Tito TV, partager vidéo avec Zamion, commenter et puis like vidéo. Donc on allez. Qui ça qui ont salaire bruit? Salaire bruit c'est cob yon moun ta supposé joindre l'el fin travail sans yon pou retirer taxe là-dedans. Maintenant, nous est que nous gain plusieurs individus là. Donc et vous mettez section, date de naissance et puis fonction que vous gagnez dans la compagnie. Donc, vous dites que chaque personnage, puisqu'il a travaillé par eux, vous payez par eux. Ça, c'est le taux horaire. Taux horaire, c'est comme vous payez ça par eux. Donc, vous recommandez comme vous payez ça par eux, vous payez 200 $ par eux. Donc, ici, c'est le nombre de vous fait dans un mois. Par exemple, si nous prenons Algérie Roland, il fait 123 heures par mois. Ça veut dire, si nous dit chaque mois, il fait 123 heures de travail. Donc, maintenant, comment je peux le faire pour calculer combien de l'État doit joindre dans le mois? Donc, on allait pour nous calculer. Donc, pas bien, je te dis que toute formule en Excel, il commence par un signe égal. Mais le premier bagage à faire, c'est mettre égal. Donc, puisque nous dit et salaire bien c'est comme on a supposé joindre l'elfin travail qui ça n'a fait là dit mais c'est quantité nombre de mon a fait la travail là multiplié par taux horaire il t'a payé là comme il paye par heure puisqu'il fait 123 heures de temps de travail puisque mais chaque heure de temps vient à 200 $ tu as supposé multiplier par 200 donc qui ça ne fait nous seulement cliquer là bah donc l'elfin cliquer là bon bagaille pour montrer que qui est valable absolue en Excel validé donc moun sa li même li touché 24 600 $ donc on essayer pour nous pour l'autre monde pour nous est-ce que ça lui même la bon qui sont ça qui pas bon mais en tourner contrôle Z donc nous dit c'est qui ça égal nombre de moun affaire multiplié par Touria. Lorsque vous cliquez sur Touria, vous pesez fonction F4. Donc, laissez-vous appliquer et valeur absolue dans la formule. Et puis, nous valider. Donc, lorsque vous faites ça, est-ce que même si nous avons fait dans l'âge, c'est même lui que nous pouvons faire encore? Nous ne pouvons pas le prendre pour nous descendre. Ok? Nous pouvons faire tout le bagage. Ce que nous faisons, nous faisons deux clics et puis nous calculer l'argent pour tout le monde. Ouais. Ça veut dire, si vous tapez descendre, ou pas tapez arriver, vous faites tout. Donc, on commence encore. Ctrl Z. Qui ça me dit, valeur absolue, souvelez ou capable de faire égal. Ouais. Tout ouais. Valeur absolue, on va appliquer. Multiplier par nombre de par mois et puis ou valider. Leur fin fait ou seulement calculer pour yon après son fin pour tout. Donc, pas oublier les amis, abonnez ensemble avec channel là, partagez vidéo et les comme ça, encouragez-nous, partagez plus vidéos ensemble avec vous. À la prochaine, ciao ciao.